Ils ont commencé donc par une victoire. Bon, Brésil lui-même a joué lundi et dans l'équipe Brésil là a gagné certainement comme tu as dit là qui nous qui est-ce qu'a commencé, comment là ils ont prallié, etc. Le Brésil affronte ce lundi l'équipe du Costa Rica. C'est Brésil-Costa Rica, match ça fait à 9h du soir lundi. Avant match ça, après Colombie-Paraguay à 6h. Donc Brésil-Costa Rica à 9h dans la soirée. D'après ESPN Brasil, gagné Alisson Capnacan. En défense centrale, Marquinhos et Eder Militao. Latéral, Danilo et Wendell. En deux terrains, João Gomes, Paqueta et Bruno Guimarães. Et puis en attaque avec Rafinha, Rodrigo et Vinicius. C'est comme ça l'équipe brésilienne a dû camper contre le Costa Rica d'après l'information journaliste ESPN Brasil. Il faut me dire le match a fait dans Sophie Stadium, qui a une réputation comme étant le stade le plus cher au monde. C'est un gros stade tout, qui n'est pas construit longtemps, Sophie Stadium, qui est en Californie. C'est là l'équipe brésilienne qui a pu jouer match ça contre l'équipe costaricaine. Le Brésil jouait deux matchs amicaux avant de rentrer dans le tournoi ça là. Elle me dit deux matchs amicaux, m'a parlé dans le mois de juin là même. Il était battu Mexique 3-2 sur un goal dernier l'heure de Hendrick, 96e minute de jeu. Et dans le match ça, Martinelli était également marqué pour le Brésil. Et goal Martinelli a été fait après une très belle action de Yann Couto, qui a joué latéral droit pour sélection brésilienne. Donc Brésil était battu Mexique 3-2. Et Brésil était joué un deuxième match amical contre les États-Unis, aux États-Unis, qui était fini match nul 1-1. Donc c'est deux matchs contre deux géants en CONCACAF qui pas trop bien passé pour Brésil parce que bon pour le match contre Mexique c'est vrai Brésil mène 2-0 mais Mexique fait deux goals et pratiquement fait 2-2 en arrêt de jeu match là. Et puis dans même arrêt de jeu ça au Brésil sauvé avec Hendrick. Donc c'est comme ça s'est passé récemment dans un match amical Brésil pour préparer la compétition. Même quand dis-nous que soit né hein, le Brésil a joué quand même joué également en mars contre l'Angleterre, contre l'Espagne, contre le Mexique et les États-Unis. Quatre matchs amicaux Brésil joué. Deux victoires, deux nuls. T'as qu'à dire, sous garder la performance de l'équipe là sous match ça, c'est une bonne amélioration paraît de gain. L'équipe là joué en meilleur football et fait plus goal tout, sous considéré Jean Sateye et en 2023, dans l'éliminatoire mondiale. Et c'est quand même de bons adversaires, quand même l'Espagne, l'Angleterre, le Mexique, les États-Unis. C'est quatre matchs qui respectent les têtes, même si c'est des matchs amicaux, mais des matchs amicaux avec matchs amicaux. Ouais. L'Espagne-Brésil sont gros matchs, anyway. L'Angleterre-Brésil sont gros matchs de tout janvier. Okay? Et bon, maintenant, amical là, ça veut dire à tout. Pas un gros enjeu là-dedans, donc on a joué pour nous préparer. Mais quand même, et Brésil fait deux nuls, deux victoires dans le match amical Zayo. Et quelque part, en confiance, moi, étant des déclarations, capitaine équipe brésilien, Danilo, je parlais, je vais l'être tout l'ouvrir, fanatique, il parlait pourquoi équipier lui tout. Et côté, monsieur dit, si nous voulons procher, piper, énergie, peuple brésilien, faut changer mentalité que nous avons. Faut que nous baillons tout nous-mêmes, et c'est ça, peuple brésilien mérité. Et monsieur dit tout que l'équipe va venir faire chaud en Californie, elle va venir faire chaud aux États-Unis, elle va venir faire photo. Et monsieur dit, comme capitaine, il connaît très bien qui responsabilité qui gagne dans porter maillot ça. Et monsieur dit, nous là, pour nous souffrir. Donc l'équipe brésilienne là, pour le bataille, pour le suer, monsieur dit, c'est jusqu'à dernier goût de suer, il faut nous bailler. Dans la compétition. Bon, Danilo, c'est son joueur d'expérience, il est également capitaine à la Juve, donc son aide qui l'a ferraillé longtemps, c'est pas le meilleur footballeur brésilien que nous, c'est pas le meilleur latéral brésilien que nous, mais il est plus ou moins fait job là. Ouais, il est plus ou moins fait job là, il a lacune, qualité centrale, pas tout à fait ça, mais il a expérience là, surtout. Okay? Il a expérience là, surtout. Alors, il faut me dire que dernier jour, ça quand il plaignait dans la communauté brésilienne, dans la communauté fanatique brésilienne, par rapport à niveau joueur et par rapport à niveau équipe là, en général. Bon, l'autre journal dit qu'il a fait une sortie qui est vraiment te fait la une. Côté monsieur dit équipe ça pas de niveau, l'équipe là, un paquet de joueurs qui va camper sur rien, un paquet de joueurs moyens. Et que l'erreur pour le lui-même, la vraie football depuis petit, mais le rang moins équipe brésilienne, il a ça. Monsieur était vraiment cassé maintenant, mais bon,
Bagay sa anpil moun de wèl de jan, eske son kampay mwen se fè pou reveye neg yo, eske se pou tout bon mwen se di sa, e mèm si anpil moun ki gen pon interrogasyon sou eske se pou tout bon, se se pa pou tout bon, men l'ide an soa se ke mwen se di an bagay ke anpil moun deja panse, ok, sou ekip Brésil la, parce bon, la kan mèm ou soti nan jenerasyon k tap bay, an mèm tan, hein, et Kaká, Ronaldo, et Rivaldo, Ronaldinho, et Bob Carlos, Cafu, et Pugna là pour tomber dans Mounzao là, et Bruno Guimaraes, Paqueta, Wendell, Danilo, etc., et Rafinha. L'onti gens durs, comme dit Bouvalé. Bon, c'est. Mais football là, c'est ça, il y a un cycle. Pas rien qu'une sélection sous la terre, pas rien qu'une équipe qui toujours a mené, tout le temps. Non. On l'a mené, on l'a ou pas mené. Et en pile fois, elle dépend de qualité joueur qu'on gagne. Au Brésil, depuis quand même un bon 10-15 ans là, malheureusement, c'est pas le haut niveau. C'est pas le haut niveau. Mais bon, à voir ce que ça va donner avec coach ça, Dorival. Et des fois, pas un bon joueur, ou pas un meilleur joueur, non, mais ou carré meilleure équipe là. Par contre, est-ce que Michel Privé vraiment dégager ça hein, en groupe là? Et t'as qu'on dit, il n'est que d'attendre. Le Brésil a joué lundi soir contre Costa Rica. N'a pas eu l'occasion certainement de retourner parler de Matissa.